Je vais voir des gens et on sait jamais, ça se trouve ça. Déjà, il faudrait qu'on m'affiche déjà, ce serait déjà pas mal. Allez. Bon, écoute, je lance pas tant que je on m'affiche pas. Je viens juste de le mettre en fait, il y a des secondes. Voilà. C'est bon? Paramètres ont été mis. C'est bon, vous pouvez me voir. Hein. T'as Jacques Castiel? Ah, c'est bon. Castiel, Run. T'es le seul modo de. Ah non, non, hit. Non, je suis là, et Laser et Arstallion aussi, je crois. Là, là. Mais t'es le seul modo quand même depuis un bout de temps là, putain. Alors, ils prennent quoi ici déjà? La branche blanche. La branche blanche, ah ouais. Castiel, ce que tu peux faire. Ouais, il y a Abyss qui était passé, mais il est parti. Franchement, Castiel, honnêtement, ce que tu fais, tu vas sur le Discord et tu vas voir les motos qui sont connectées et tu leur envoies un message, tout simplement. Ou tu poses dans le salon des gardiens, tu mentionnes gardien et tu dis y a-t-il des gens, voilà. Ouais, hier t'étais solo aussi. Hein. Alors après, si les autres modos ont des raisons de pas être là, évidemment il n'y a pas de souci, je force personne à être là. Mais faut pas que ce soit que toi qui fasse tout, parce que c'est vrai qu'en ce moment c'est un peu le cas avec Abyss, on va dire. Vous êtes les deux modos vraiment très actifs. Bref, on verra. On verra, on verra. On verra, hein. Franchement, si vraiment ça n'évolue pas dans les deux semaines à venir, je vais mettre des modos en plus. Hein. Bah vas-y, 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 mec. Mais contacte les autres modos là sur Discord si tu peux. Tu leur demandes s'ils sont là ou quoi. Ils proposent pas logiquement les tailles. Je peux faire backpoint d'alternance en streaming. Ah si, c'est là. En apprenti. Ça okay. Roule. Wow, j'ai eu un petit coup de. Je sais pas, y a un truc qui s'est passé bizarre. Ouais. On va créer quelque chose de. Là, de allez, un peu comme eux, tu sais, un truc dégueulasse quoi. Mental. Ah oui, sinon ça fait pas nous. Ah bah. Ah, pas marrant sinon. Ils vont pas venir, tu sais, ils vont pas dire. Ah, oh, sympa ton personnage. Ah, il est dégueulasse, tu sais. Voilà, je me mettrais devant le mur là et voilà. Oui, c'est débile. Je sais quoi. Je sais ce qu'ils font, hein, voilà, c'est tout. Je vais même pas faire de perso des dégâts. Attends, qu'est-ce que tu prends quoi comme arme ça hein. On va prendre ça. Les rouges. A tout de suite, Castiel, à tout de suite, mec. Il est pas dégueulasse mon perso. Il est pas. Ouais, il déforme le visage, du coup. Ouais. Ok, on va prendre ça, tac. Et tu mets la couleur de peau là. C'est vraiment dégueu. Mais bon, j'ai l'impression que pour être respecté, il faut faire des trucs comme ça. Donc voilà. Je fais des trucs comme ça, tu veux que je te dise quoi? Non. Oh, il est vraiment mal. Je suis en stream depuis 5h40, mais ça bug. Bon, allez, c'est bon. Allez. On va sauvegarder ça, comme ça je pourrais le mettre direct. Ah bah tiens, j'en ai deux comme ça. Bon, on va le mettre là. Voilà. Comme ça, quand je ferai du noir, je prendrai ce personnage dégueulasse et moche. Voilà, cool. En vrai, il a l'air sympathique. T'es sérieux là? Non. Après 9h, j'ai souvent fait 9h, mais dernièrement, un peu moins. Alors on se met à poil parce qu'en 8 hein, c'est à la poil. Prochaine, je change mes horaires.
La semaine prochaine, les amis, je vais faire du 14h, 18h et du 20h, 20h, 1h ou 20h. Je sais pas s'ils prennent 5 heures. Bah non. Ah, t'as pas besoin, bah ouais. Donc ça va me faire des journées de. Bah, de 10 heures de stream, mais bon, avec une pause, donc ça passe. Je ferai des jeux l'après-midi un peu plus détente. Et voilà. Ah, ça c'est bien. J'attends qu'il attaque. Tac. Alors ici on est sur le passage le plus. Quoi? L'un des passages les plus cancer de la route. T'as besoin de tuer? En termes de routing. Mais normalement, ça se passe bien. Fais des âmes, fais des âmes. Ne vous inquiétez pas, c'est calculé, vraiment, c'est pas du mytho là. Les flèches vont très près, mais c'est normal. Et j'ai failli. Fuck! Putain, j'ai pas sauté, bordel. Pas. Putain, quand je rate ce saut, ça me fout les nerfs. Ouais, c'était quoi ça? Bon bah du coup, ouais. C'est la reine. Ah, quand même deux ans. Non, non, pratise pas, moi je veux nous hit. Débile ça, pratise. Bah attends, tu vas jamais savoir les traces et tu prends toujours un hit à chaque fois. Bah les couilles, bon moi ça progresse. C'est un tas, comment tu vas? Ah, un peu pratique avec moi. Moi c'est nous hit. Si j'ai pas le nous hit, bah je dégage. Je le dis à chaque fois parce que bon là on est sur une run un peu tranquille. J'ai le temps de t'expliquer le passage, tout ce qu'on a fait. Non, mais je vais quitter. Tout était calculé, sauf j'ai fait en fait le saut. Normalement, je me laisse pas tomber, je fais un saut dans l'escalier. J'ai appuyé trop tard, bon, c'est pas grave. Petite erreur là-dessus. Mais tout le reste est vraiment calculé, les deux crânes, au niveau des flèches, la façon dont je me déplace, ça fait. D. Voilà, à chaque fois que je le fais, ça passe, nickel. Hop. Mais c'est très personnage là. Spectateur ou spectatrice, parce que vous voyez des flèches qui me traversent, enfin qui me passent à côté. Là, et vraiment, c'est. Je peux pas vous dire, mais what the fuck, le mec il prend des S que je vois alors qu'en fait non. Comme quelqu'un qui vient quémander de l'aide pour le Nameless. Bah, le Nameless, je pourrais pas trop t'aider à part pour la phase 1. Moi je sais que je prends pas ça déjà. Du coup. Ouais, je ferme mes volets. Ah, mais sérieusement, il n'y a pas plus. Ah putain, mais il est chiant. Et tu te prends jamais des hits si j'ai mal dit. Non, je ne reprends jamais. Non. T'as le droit de rouler. Hein. Quoi? T'as le droit de rouler. Hein. je sais, mais il n'a pas roulé en fait. Ah putain. Ouais. Mais ce serait une excuse quand je dis ça, donc je dis rien. Re-pilot, re à toi. Ouais, c'est mon erreur, c'est tout, j'ai pas roulé. Oui, je sais, je sais même pas encore dépassé ce cimetière ensemble. Évitable lead. En même temps, je sais, je dis ça, mais je suis du no-hit comme lui là, j'essaie de faire du no-hit, mais moi il y a personne. Hein. Tous les hits que j'ai pris, je vois pas où est-ce qu'elle est la motivation. Moi j'essaie de faire ça juste pour pouvoir me faire respecter quoi. Mais il y a pas vraiment de. Ouais, je vais faire du run no-hit. Je
Je fais ça juste parce que je sais très bien que XM c'est ce qu'il aime bien et que peut-être que voilà. J'ai pas compris ce que tu veux dire, Pilo. Du Ah coup, oui, tu t'étais sais, parti, je oui. m'en fous quoi. Bah en fait là j'ai pris des hits mais j'ai continué la run parce qu'il est Enfin voilà, on a fait trop de vaisselle Franchement, je aujourd'hui, n'aime c'était un peu pas de la les merde. steaks. Ah, y a pas de motivation, y a rien, y a juste run the hit. Voilà. Et nos hits, hein, et pas. C'est pas. Oh, tiens, je vais prendre un PB de 2. Non, 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 non. Moi, c'est no hit, hein. Comme je dis souvent aux streamers, je vais pas le dire. Alors, je le dis, donc je vais le faire. Moi, c'est no hit. Moi, c'est pas PB. Moi, il y a PB, ça n'existe pas. Moi, il y a pas de PB. J'ai pas le nom PB. Ah ouais, la tournante, ah putain, je vais devoir faire ça aussi, je vois, chaud. Pas de sale kit en Oh, fait, je ça peut suis sûr. content. Ouais, il est trop Imagine toi les build up que tu fais là. Non, c'est bon, c'est bon. Là, fallait pas que je fasse ça. Hein. Là, j'ai joué très très greedy. Moi, je vais me prendre un max de boules de feu, bah les couilles quoi. Non, bah non, bah Je rentre dedans. Ouais, faut que je tourne autour là, 24, avancer des crânes. Oh lol quoi. Ah, c'est une perte de temps pour rien. nice, 4. Ils prennent quoi? Ils vont à la marchande ou pas? Alors, je tiens à préciser tout de suite, hein, je joue Ils pas vont du tout directement? d'habitude, là, je joue pas safe, Ils vont pas en level hein. c'est vite. Parce que la run, de toute façon, on a plus 4 hits, c'est pourri, et mon PB c'est 5. Je vais vite sur ce boss parce que sinon c'est très chiant. Je prends beaucoup de risques. Voilà, je le dis parce que là je joue vraiment pas bien. Hein. Faut jamais aller aussi vite, faut prendre le temps d'être bien placé, que le mob soit à un bon endroit. Et là, il tue les mobs au début. Il tue rien du tout, en fait. Il n'y a pas de mob qui tue. Dommage. Non, là, il va aller jusqu'au fragment. Pour aller jusqu'au. Au feu, là. Prochain feu. Oh, mais il n'y a pas de strat là, il n'y a pas de truc. Si, mon Tu rushes? dragon. Ah oui, il monte par le dragon. Mon dragon, il attend que le chevalier il fait la signature de sac. Et c'est où ça? En tuant le mec à côté de la porte. Et je te le fais montrer. Prends pas le temps, t'en fous. De toute façon, il le prend jamais celui-là. Alors, je sais pas s'il prend ces âmes-là, ça ne sert à rien. On va les prendre quand même, on va les prendre quand même, on sait je jamais. Il dit peut-être qu'il y a le mec derrière. Mais Ouais, non, tu prends la foule, pardon. Merde. Moi, je vais donner une strat, un truc un peu meilleur, le je dirais. Parce que l'épée large, la strat de l'épée large, c'est bon quoi. C'est bon. Ok. Il prend trop. Le mec, il prend plus pour rien. Moi, je veux no hit, tu veux no hit? Ouais, je veux no hit moi. Alors là, on go direct là. Merde. Là tu je go sais là, qu'eux ils tu tuent. roll. Là tu roll. Je roll. Là, arrête. Parce que il y a un mouvement de stun, ça marche. Là tu roll au moment où il se fait. Réfléchis un petit peu à ta phrase. C'est pas parce que tu vite. Moi c'est instant partout. Ah ouais, mais je connais pas, en fait, je savais pas que c'était comme ça. J'aurais pu ah, faire ça la bien. Porte. Ouais. Et tu joues le mec qui est à et côté. J'ai eu de la chance. Lui là. À deux coups de mercenaire, c'est bon. Ouais. Là t'avances pour que je te voie. T'es pas trop. T'es joué en vrai, voilà. Ça marchait, c'est cool. Ouais, bon, c'était ce qui vont donner marche, pensant. Après, il faudra juste améliorer la façon dont ça fait. Tu vas jusqu'au bout. Jusqu'au bout, sinon il va y aller. Ah, mais j'ai plus l'endurance. Demande aussi sur Discord si tu veux. Ouais, c'est trop tard. Bon, ça va, c'est un chevalier. Ouais, mais je veux dire, tu veux le heal parce qu'en fait, il va recommencer, c'est chiant. Oui, mais là pour l'instant, j'ai pas recommencé. Sur Discord, dans le salon de gaming. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur le chat là qui est sur PS4 qui sont dans ce point là pour aider cet encore? On sait jamais. Bah oui, ça. Ah bon, vas-y. Allez là. Enfin, okay. Bon, bah, tu prends le feu parce que là t'as oublié tout. Parce que là je savais pas avec eux. Tu prends le feu et va. Parce que oui, là c'est juste. Tu feras ça au début en fait. Non, non va à l'écheveu. À l'écheveu. Quand tu tueras l'ISBNDIR. Ouais. En fin de compte, tu vas quand même récupérer quelque chose de la marchande.
Ah, okay. Pour t'éviter d'aller chercher c'est là, les pélongues. Ouais, c'est les pélongues. Ah, c'est la limite du speedrunner que David fait. Nuit speedrun. Comme ça, l'épée large, tu apprends pas. Et avec l'épée longue, tu fais ça. C'est le même principe. Ah bah alors, pourquoi tu dis que t'es sûr? Allez, chat, t'as fait ça. Fallait rien dire alors. Ah, je présente. L'épée longue est là. Courte. Je crois qu'il a chez 3 C'est au niveau du grand bœuf, quoi. Allez, est-ce que quelqu'un veut bien aider cet antenne-là? Je prends l'épée longue et je prends 3 os de retour. Je crois qu'il en a chez 3, ouais, un truc comme ça. Il y a sûrement quelqu'un, les amis, allez. En tout cas, là tu vas jusqu'au. Là, tu prends donc la bombe incendiaire. La bombe incendiaire noire. Et ça représente donc aller à l'épée large, donc tu sautes directement et tu veux jouer. Enfin, tu ouvres la bannière et tu vas. En passant par là. Ah oui. Et tu passes et tu prends et tu fous le boss. Ok. La première zone tout en milieu. Et tu feras ça en boucle et tu verras que finalement, c'est de la grosse merde. Que tu fasses et tu seras. C'est toi ? Ouais, c'est le manque de temps, de faire ça. Ah, d'accord, alors pour l'instant, là, je vais là. C'est un DLC, ouais. Parce que moi, je suis sur les je sens. Avec les strats, si je fais à force de faire comme ça, en boucle. Parce que tu sais, quand je regarde le XM, j'apprends en même temps. À vendredi, Doc. Ouais. À vendredi, Doc. Et comment ça s'appelle ? Je peux les pratiquer, ça sera. Vas-y. Le problème, c'est que c'est mon manque de temps, mon manque de motivation. Tu sais, je stretch comme ça. Ouais, c'est gros, rush. Ouais, là, je me prends une. Ouais. Ah, j'ai pas attendu 3 heures. Alors, ça me saoule. J'ai envie de bouger, quoi. Tu vois ce que tu veux dire. Et moi, j'ai un problème, c'est que je n'arrive pas à m'asseoir longtemps. Ah, j'ai pas allumé le feu, dirait-il. Putain, j'ai pas allumé le feu, dirait-il. Je l'allume toujours d'habitude. Putain, la vache. Bah, moi, ça va. En fait, si tu veux Squab, moi ça va très bien. Maintenant, au niveau de mes runs de Dark Souls 3 aujourd'hui, c'était pas fou, du coup ça me saoule un peu, mais bon. Moi je passe un bon moment sur le stream, donc c'est le principal évidemment. Mais ouais, pas des grosses runs aujourd'hui. Ah oui, non, c'est pas un DLC, pardon, le Nameless King, c'est pas un DLC, c'est bon, j'ai pris la bannière et je repasse par le côté. Ouais, en passant par le côté. Ouais. On va devoir. Oh là là, on va devoir aller à Eritil comme ça à pied. Et tu regardes avant si le mob, ouais. Faut pas que tu passes dans le coin comme ça à toute vitesse parce que le mob Et toi comment tu vas du coup Squab? Ah bah tu m'as déjà répondu, putain, tu m'as dit bien. Le seul routing que je connais pas, parce c'est que bah il sait mais j'arrive pas à le voir au niveau de là. Ouais. Ce qui me manque. C'est quoi? C'est le bastion des pharaons. Putain mais c'est. Ce qui est bastion de pharaon, ouais. Comment à quel moment il récupère ces fragments de merde? Encore une fois, toujours un routine de fragments à la con. Pas à quel moment pour améliorer là. Vraiment, n'hésitez pas, n'hésitez surtout pas à demander de l'aide sur Discord. C'est vraiment pour ça que je l'ai créé. Je l'ai créé pour que les gens puissent. Ouais, regarde, je redis ce qu'il a fait, tu vois. Et ça, c'est cool. Déjà, il fallait prendre l'épée longue. Ah oui? Pourquoi? Parce que l'épée longue est mieux. Ah, c'est le roi sans nom, fallait le dire avant. C'est le roi sans nom. Je crois que c'est mon anniversaire, ça a pu. Enfin. Ah, si, c'est pareil. Putain, j'ai mal au doigt là. Donc après, j'ai peut-être trouvé le. Parce qu'en fait, les gens, je leur dis à chaque fois, pourquoi? Pourquoi tu dis l'anniversaire, ils ne font pas de dégâts? Pourquoi tu dis que c'est mieux pour l'épée large de l'épée longue? Ils n'arrivent pas à m'argumenter tout ça, mais dire pourquoi. Ouais. Moi, je peux pas. Pourquoi? Attaque qui fait. Avec ce moussette. Ils n'y arrivent pas? Non, ce moussette là. Ouais. Possible, bon. Le moussette. Ça ne sert à rien, tu vois. Et ce nom, bon, c'est comme ça. C'est pareil, l'âme de mercenaire, c'est la grosse merde. Quand tu alors, vas les prendre, tu vas comment ça s'appelle? Les meufs. Désolé, les mecs. Le roi sans nom. La prendre avec le dragon, tu restes des coups comme ça, boum, des toujours coups de taille, mais jamais tu dénoncer, hein. Les coups de frappe. Et une de fois frappe. Que t'arrives que tu le stun, le dragon, tu mets un front stab. Tu vas vers son œil gauche, tu mets un front stab avec la touche R1 de ta manette. Quand tu passes en phase 2 et que tu affrontes le roi sans nom vraiment en face à face, c'est pareil, et bien là il faut que tu
Tout ça, bon, bah, lui, il a les mêmes attaques. C'est-à-dire que tu mémorises ses attaques. Non. Parce que tu as des frappes. Attends, attends, ça, c'est pas. Il y a des frappes, tu peux mettre deux coups. Tu vois, c'est la grosse merde. Trois coups. Et quand tu le stun, si tu arrives à stun, bah, là, tu peux lui mettre un front stun. C'est pour gagner des dames en fait. Voilà. Attends, le faire. Ah oui, vas-y. Comment il s'appelle? Comment je suis pour là-bas? Bah non, je vais te mettre un. Tu tues UL déjà. Et tu veux faire les os qui sont à côté. Tu switches un crâne. Allez, c'est ton tas, tu vas l'arriver. T'enlèves, ouais, t'as pas besoin. Juste là. Tu t'avances. Tu lances un crâne sur le mur en fait. Quel là ou là le mur qui est près de. T'arrives pas à passer des murs là. Tu vas donc tu sais, t'avances que là. Tu vois, quand tu me montres, tu vois la grille, voilà, sous vert, tu lances un mur là, un crâne là-bas. Voilà. Là, tu rushes, tu finis voilà, sur lui. Ah bah, c'est et non, prends pas le feu. Là, t'attends, là, tu les démontres. Faut pas venir, les chiens. Ah non, logiquement, ils viennent pas, logiquement. C'est bon, chien. Alors, eux, ils font toujours une roulade sur le bonhomme. Avant les tuer. Ah, mais faut pas boucler, ça sert à rien, ou pas. Pas de voir là non plus. Allez, tu passes de l'autre côté. Pas grave, c'est pas grave, c'est pareil, c'est trop tard. Prends les. Ouais, j'avais compris. Et sous. C'est sûr. Tu passes alors, ah, tu passes pas, là-bas. Il a envie de le tuer. Tu passes là. Il a envie de le tuer. Devant parce tout le monde, ouais. Prends pas la porte, ça passe un peu. Tu ouvres la porte. Ah, je vais baisser un peu la zic, là, je suis extrêmement désolé. Tu prends les paquets qui sont là-bas. Ouais, il faut faire vite. Sans t'approcher de celui-là. Bon, là, il y a un skip, c'est tu montes sur la table et tu passes directement là. Là, tu vas tout droit. Et quand tu vas tourner après le mob, tu vas tourner juste. Bah, là, après, tu connais quoi. Ouais, je connais. Ouais, il faut que tu ailles en tournant. Déjà, il récupère le fragment qui est là. Et ça, je crois que je sais pas s'il récupère. Si je vais t'expliquer la suite, là tu finis la compagnie. Faut pas jouer. Alors là, c'est voilà. Là, faut prendre en fait l'épée. Ah, c'est passé quand même. C'est passé, mais bon. C'est plus la raison. Alors, on peut au feu. Allez, Yor, ça va être sympa, Yor. Il y a la cendre récupérée. Donc avant, ouais. Donc quand il est mort vivant, je le connais un peu. Enfin, je le connais même par cœur. Je tue ou pas? Non, tu es pas. T'avances. T'attends que les premiers mobs se fassent démonter par la flèche. Et en espérant que... pas vite. Voilà. C'est pas. Je me suis pris un coup. Attends que je peux. Bah la prochaine fois tu iras genre direct. J'irai direct. Ouais, faut que tu sois dans directement là. Ouais, ok, c'est parce que je pensais. T'as pas besoin d'apprendre. Attends que tous les mobs fassent démonter la gueule. Parce que c'est en tas, si ton arme elle est pas améliorée en plus 7, 8, 9, voire plus 10, moi je te conseillerais d'abord d'améliorer ton arme. C'est en tas. Et si tu veux un bon conseil, c'est en tas. Utilise une arme efficace. Utilise une arme qui est efficace, pas forcément les miennes là. Pour les armes de mercenaires, c'est les meilleures armes du jeu, mais tu peux utiliser d'autres armes. Je peux. On va récupérer la cendre. C'est un plaisir. C'est quoi là? Je vais récupérer la cendre. Ouais, tu peux passer. Parce que là, tu t'approches du mob là. Oula. Ah ouais, tu prends des chemins à ce niveau toi. Okay. Du coup, ouais, tu passes la porte. En faisant une roulade, en fait, tu vas le voir. Si tu prends le coin, tu vois. Une roulade et il est pas touché. Et tu restes droit et tu passeras juste sur le à côté du boss. Tu rentres dans le boss et tu ressors. Pourquoi? Bah parce que t'as vu le PNJ. Moi c'est, ça c'est ma technique à moi par exemple. Ah ouais d'accord. C'est, je fais ça parce que ouais, j'ai le PNJ et le PNJ me casse plus. Ah bah c'est cool. C'est moi cool. Je rentre et c'est je ressors. Cool. Il faut que tu sois patient. Tu vas y arriver. Comme ça je me repose pas. Comme ça la sorcière elle est déjà sortie. Ah ouais pas mal.
Donc là, c'est super, hein. Pour occuper les fragments qui est là-bas, à côté du feu. Et après, je vais trouver une autre, je vais te montrer une autre simple, parce que c'est la paroi aussi petite. Enfin, ça, c'est une live à la con, c'est pas vrai, je trouve, mais bon. On va quand même établir ce truc-là. Je vais te montrer comment que pour les vases à peau, casse pas les couilles. Ah oui. Castiel, il n'y avait pas de moto sur le coup. Du coup, il ne repasse pas. Hein. Non, passe là. Monte là. Parce que pour le coup, Aether, il est venu, mais il n'a pas dit qu'il partait, je crois. Peut-être que je me trompe. Peut-être que je me trompe. Mais je crois pas. Donc, Arscalon, il a dit qu'il partait. Arscalon, nickel. Il a prévenu. Alors, tu fais comme d'habitude, et tu passeras ce que tu montreras là-haut. Là. On n'a pas le temps, allez, qu'est-ce que tu fais champeau. Tu montes là, Vol-Gin, tu prends le truc, t'attends que les bombes viennent, et tu descends. Et tu prends jusqu'au à la porte. Et logiquement, il ne va pas venir. Après, je sais qu'il vient, de lui-même très souvent. Il est très très cool, Vol-Gin. Logiquement, ils ne viennent pas. Et ben voilà, quand on parle du loup, Aether is back. En fait, Aether, Castiel, ça fait un petit bout de temps qu'il est tout seul là. C'est ok. Et du coup, simplement, là tu descends et tu passes dans le côté, je t'avais dit. Ouais. Douche, mais comme il y a pas mal de gens sur le stream, il s'est dit bon, je vais aller voir s'il y a Aether ou quoi. Enfin, pas forcément que toi, hein, s'il y a des modos dispo. Et après, il faudra remonter. Et là, par contre, là, je savais pas comment les gens ils font. Je sais que faut que tu prennes un mètre de truc. Vu qu'ils font ça pour pouvoir passer le truc pour venir là, en fait, pour aller chercher la routine. Il y a de temps en temps des gens qui vont. Il y a aussi des nœuds de crâne à récupérer. Il faut que je fasse ça là. Alors logiquement non, parce qu'en fait là t'as la manipulation, tu cours en fait. Attends, c'est quoi déjà l'attaque? Ah c'est ça. Tu cours tout simplement droit et logiquement il devrait être. Voilà, ça ouais c'est vraiment en fait c'est une manipulation de droit. C'est automatique. Il fait automatiquement ça. J'étais en dépression pour le PSG. T'es mal à gueule. Ça va ou quoi Alice? Là t'attends logiquement. Ouais, vas-y fais là. Quand il se repose, il se remet pas à sa place initiale là. Non. Non, il bouge normalement lui en fait. Il a pas de point initial. Bah je sais pas avec lui si c'est pas ça. Tu te fous de bah non, c'est pas normal. Mais Aether, juste comme ça, juste une question Aether, est-ce que quand t'es parti du stream, tu as prévenu que tu partais? C'est juste ça que je veux savoir. Il changerait de map. Si t'as prévenu mais que j'ai pas vu, désolé, non, my man, c'est ma faute. Mais pour la prochaine fois, essaie de prévenir parce que du coup là, je savais pas. Tant qu'il n'a pas en fait la jeune frangine, il n'augmente pas. Personne n'augmente parce qu'il n'y a pas de mob à taper. C'est bien là, du coup. J'essaye. Ouais, là, vas-y. Fais ça. Passe au côté comme ça. Et quand tu vois qu'il va trop payer, tu vas. Faut jamais courir. Beaucoup. Ça ne peut. C'est vraiment la tranche, vraiment. Ah, t'es vraiment que tu frôles le mur. Ah, moi, et quand tu vois qu'il t'a repéré, il te repère obligatoire. Hein? Il te repère obligatoire. Ah oui, à un moment il te repère obligatoire, c'est obligé. Tu vois, c'est pas la nuit du sommeil, hein. C'est pas ça. C'est juste que je voulais savoir si t'avais. C'est de la merde. Bon, bah de 8 du coup, c'est vraiment de la merde. J'ai pris un hit là. Est-ce que j'ai pris un hit? Est-ce que j'étais full vie? Est-ce que j'étais full vie quand je suis arrivé dans le donjon? D'ailleurs, je suis même pas sûr s'ils font ça avant. Dessus, d'accord, mais avant. Ou après. Parce que t'as pas de bombe là. Si t'as récupéré deux bombes. Si, ouais. Ah donc c'est ouais. Attends, est-ce qu'on a des bombes? Oui, c'est quoi? Des bombes hein, pour enlever le truc quoi. Pour enlever quoi? Moi aussi, il y a des machins en fait en haut pour récupérer les crânes. Ouais, bah je sais que c'est. Alors là, je sais pas comment ça marche. Moi, je sais qu'à peine arrivé, il a fait. Bah, tiens, j'ai pas pris de vite. Hein. Ah. Franchement, je crois pas que j'en ai pris. Bah, ok, on a dû repérer. Ok. Oui, j'ai surpris, j'ai pris. Strat de merde. Bon, ça, c'est ma strat habituelle, elle marche bien. Donc, prépare ton crâne. Alors, c'est quoi déjà qu'on passe en premier? C'est pas les chiens. Non. Ah, ouais, non, bah, prépare tes bombes. Non, faut que je récupère pas ce machin? Non, les disciples, c'est les followers, c'est indiqué dans prépare la. Tes bombes. Alors c'est les bombes noires, c'est les one shot en fait. Ah, tiens.
ça sert à rien même. Ouais, tu es pas là. Je peux pas aller sur le parce que moi je peux pas plus. Voilà, comme ça au moins on sait. Puis en fait il donne, il balance des trucs. Là je balance le crâne. Alors là tu lances un crâne. Tu vas pas là. Tu sais où tu vas. Tu tues quoi? Bah je le tue. Ah non, on peut les tuer. Est-ce que tu gardes un crâne? Bon, c'est cool. Bah là, t'as cette série de crâne, c'est là. Donc t'as rien comme vous, là. Donc tu là, tu lances un crâne, là. Là? Ouais, bien pour que... Et que tu sois avec, hein. Bah. Bah, faut croire que c'était presque, hein. Zola, vas-y, viens. Ah ouais. Oh, c'est bon, c'est passé, toi. On va passer sur mes sauvegardes. Donc, Baza, la mise en endurance. En fait, c'est parce que là, j'en ai marre. J'en ai ras le cul. De toute façon, la route est torchée, elle est dégueulasse. Ah bon. Donc, autant qu'on aille plus vite au boss, aux zones sensibles. Parce que là, je suis juste fatigué. Ouais, je sais, en ce moment, je suis souvent fatigué. Mais en fait, je pense que c'est la... C'est les 3 jours de Dark Souls 3 Noite, là, ça m'a... Là, ça m'a défoncé. Ça m'a défoncé. Donc voilà. Alors là on était du coup pour aller sur Yorm. Routing Yorm. Hop. Vous allez voir c'est la magie. Là nous c'est que la première fois, déjà c'est avec lui, ça fait que 2 rounds. Là déjà ici lui il arrive déjà à se prendre lui. Et t'as vu combien de temps il a maîtrise? Combien de temps il a fait souvent? Moi je vais tout voir. Après le menuing, peut-être tu vas t'habituer un peu plus tard à force de faire. À force de savoir ce que tu vas récupérer dans la run, qu'est-ce que tu auras besoin. Le louche du PSG. Tu récupères c'est le truc. PSG, il y a un PSG qu'il faut. Merci à toi. Merci de m'avoir. Ça va. Bien vu. Ouais, mec. Okay. Donc j'ai l'impression que EXM aussi il prend le fragment qui est là-haut. Qui est là-haut. Je sais pas exactement la route des fragments, donc je sais pas savoir. Je sais pas. Et il passe sur le côté, comme ça bug pas. Je pensais pas que ça marchait ça. Je sais pas en fait en là, je connais comme ça. Les geôliers là, ça m'a saoulé. Je connais la strat par cœur. Ah là 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 là, je vous le dis les amis, hein. Je vous le dis. Je fais vraiment pas exprès de faire tous ces fails. Je prends feu là, non, prends pas. Ça me détruit, mais... Non, prends le pas. Parce que de toute façon, on pourrait sauter là. Mais on va revenir plus fort. On ne sait pas en comme ça. Ah, mais ça marche. Ça marche pas. Phoenix, plutôt, pardon. Je prends ça de ce fragment là. Et là, il fait un truc pour ceux qui sont en bas. Donc, tu descends par là. Et tu rush en comme ça et tu leur mets des coups. Non, là, ici, tu mets des coups. Non, pas comme ça. Mais là, non, mais non, alors on fait ça, on te la crème là, hop, et tu récupères, t'es la crème là. Comme d'hab quoi. Ta. Ah ouais. Et pour récupérer, hop, vraiment, juste pour les pousser en fait un peu, tu vois. Bah, c'est trop tard parce qu'ils sont au prix n'importe comment. Mais moi, je pourrais les tuer. Beaucoup trop tard. Ouais, mais si tu es empoisonné. Mais non, pourquoi tu veux que je me fasse empoisonner? Il y en a beaucoup quand même. Ouais. Là, tu fais pas un strap de chien, tu passes là. Moi, je passe là. C'est que moi, je t'appelais de chien en fait. Et là, là c'est go les bastions des parents. Et je manque pas encore un level. Non, pas encore. Donc, tu vas au bastion des parents. Alors, je peux récupérer le bouclier. Bah, non, parce que toi, t'as le PNJ, tigre. Tu vois, c'est pour ça que je t'ai pris la double endurance. Dégage, c'est ça, voilà. Bon bah c'est bon. À ce point là? Ouais, non, mais c'est mort, c'est ça, je peux pas revenir. First try, au moins first try. Fuck, le bouclier! C'est ça le problème du PSP. C'est bon, j'ai mis le bouclier, attends. Je... Déjà, juste, comment tu vas faire déjà? Quoi? Pour Yorm. Pour Yorm? Ouais. What? J'ai pas trop compris. Pourquoi pour Yorm? Parce que pour Yorm il y a un alpha. C'est moi qui suis en PS ou. Et c'est pour autoriser. Oh, c'est arrivé au dernier boss de la run, tout le monde est le regardait. Parle quoi? Parle tout.
Comment ils font alors? Bah eux ils ont pas, Alba. Ils n'ont pas d'invasion. Ils arrivent, il n'y a pas d'invasion. Bah du coup je peux pas quand même, alors je peux pas le faire là. Mais si, c'est juste que nous on doit trouver quelque chose d'autre. Il a refait. Donc toi tu dois faire 13 zones en force rare, en fait, tout de suite. Que tu dois passer la première zone, là avec les geôliers. De merde là. Tu descends, tu passes la balayette, le géant, tous les rats, et tu vas jusqu'à Yorm et tu tues le boss directement. Non. Je suis obligé de faire tout ça, moi. Bah comme ça, si tu rentres dans le boss, Ava, il se barre. Enfin, bref. Mais faut que tu rentres dans le boss, faut que tu aies un boss. Et le boss, c'est Yorm. Et ensuite, tu passeras par... Ah ouais, c'est débile. Bah oui, parce que tu vas lui mettre les couilles. Et là, pour là, faut que tu passes par les bassins du périmètre. Il y a quelques mois de ça. Pour récupérer la... Ouais. Un streamer du nom de... Enfin, du pseudo et le bouclier, non, faut pas l'avoir le bouclier. A tryhardé Dark Souls 2 All Bosses No Hits pour réussir, pour être le premier au monde à tenter la run. D'accord ? Il est arrivé au dernier boss, au bout de plusieurs mois de tryhard, il est arrivé au dernier boss. Et au dernier boss, il s'est fait hit à deux coups de tout le boss. True story. Là, ça fait quelques semaines, peut-être un mois, qu'il retente la run. Et Tetro vient de m'annoncer le truc, mais ça me dégoûte totalement pour lui. Vraiment là, ça. C'est bon. Là, aujourd'hui, moi, c'était une très très bonne journée. Parce qu'il s'est fait niquer par la même attaque, par le même boss. Il avait des milliers de gens sur son stream. Il s'est même fait. Bah, du coup, il s'est fait host par plein de streamers qui font du no-hit. Vous imaginez la douleur, les amis. C'est qu'un jeu vidéo. Il se refait encore. Mais Tetro, il me tient tellement à cœur, les amis, vous imaginez même pas. Il est revenu là où il était. Le mec, c'est son travail. Il est streamer, enfin, je pense. Il est streamer vidéaste. Et il se repaye par la même attaque. Le gars vient de se refaire niquer par la même attaque. Mais c'est pas possible. J'ai même pas envie de voir le clip, Tetro. J'ai même pas envie de le voir, ça va me faire trop mal pour lui, vraiment. Le clip, bah si, je veux le voir. Bah oui, pareil. Non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. Putain, ça fait vraiment chier pour lui, vraiment. Vraiment. Là, je vous le dis. Ça ? Ah, je vous le dis, moi, ma mère, aujourd'hui, c'est très bien passé. Non, il l'a pas mis encore. Il l'a pas encore mis. Il a dit, j'ai un clip, mais. Putain, t'es trop, tu m'as... Enfin, c'est pas de ta faute. Merci de m'avoir averti, mais pour ça. Mais what the fuck? Putain de merde. Il a vraiment pas de chance. Oh là là, putain, mais c'est pas possible. J'y crois même pas, mec. C'est pas possible. Ouais, t'es des gars. C'est pas possible, frère. S'il avait réussi, il aurait été trop content. Ça aurait été... Pourquoi je fais pas de dégâts? Bon, on va aller à Pontif. Parce qu'elle est pas améliorée. T'as non, pas un codex. Non, non, pas désolé. Mais non, il faut pas faire comme ça. Ah, j'ai dû le dire. En fait, tu jettes une bombe et tu vas tirer au feu là-bas. Et tu vois, parce que bah, genre le jeu. Ah oui. Non. Quoi, il ne tue pas dans les mains? Ah non, il ne tue pas. Et c'est le feu qui le tue là, le feu. Bah. Ah, c'est pour ça! Attentif. Ah, c'est bon, j'ai compris. J'ai pas équipé ça, hop. C'est pour ça qu'ils ont mis cette règle sur les feux là. C'est parce qu'ils utilisent le feu pour les mobs. S'ils auraient pas utilisé le feu pour les mobs, ils auraient pas mis cette règle. Parce que j'imagine que pendant qu'ils étaient en train de mettre les mobs, et eux ils se faisaient brûler pour un spray. Ah ouais. Et du coup ils ont dû dire, bon vas-y, on va dire que c'est un hit. Tu vois le truc? À tous les coups c'est ça, j'en suis sûr. Non, bah non, j'utilise pas ça moi. Oh mais t'as vu les dégâts? Alors, c'est bon, ça c'est efficace. Tu fais le contour du feu et tu récupères le feu. Oui, je sais, je connais. Je savais pas que ça marchait, moi je pensais que le mob à chaque fois il me donnait quand même. Alors là pour celui-là je sais pas comment il fait. Bah moi je vais taper. Oh vas-y je spam pour là, c'est bon. Bon j'ai 3 hits du coup parce qu'à cause du comment il s'appelle là. Bon, celui qui a loot la 6 mois, là, c'est moi. Ah ouais? Ouais, il m'a tapé dessus de terre. Parce qu'en fait, j'étais en stress à cause du. Tu m'as dit, ouais, il y a un mec, il y a le Penji là. Du coup, comme tu m'as dit. Ah, de toute façon, oui, je peux pas. Tu peux pas te reposer. Et du coup, tu pourras pas mettre tes fragments. J'ai raté ma parade! J'ai raté ma parade! Du coup, je suis obligé d'aller au VR. Ah ouais? Tu vois, c'est pour ça. Et je suis comment pour les fragments là-bas? Ah, tu peux les couper, sûr. Non, mais j'ai bientôt me faire empoisonner, j'ai plus de shell. Bah ouais. Bon, c'est pour ça, avec le PNJ, il casse ses couilles là. J'arrive plus à jouer.
Et de toute manière, même en imaginant que tu aurais récupéré l'anthracite par les périmètres. Ouais, il pourrait se suicider. On va discuter. On va terminer le stream. Excuse-moi, en raison, chat. T'as si mec voilà. Comme ça, tranquille. Ah, il fallait récupérer Adek, c'est vrai, j'ai oublié. Je fais trop d'erreurs et ça se voit que j'arrive pas à jouer. Je fais pas ces erreurs. Ouais. Je teste au moins les meilleurs quoi. Bref. Au moins. Comme ça. Ouais, enfin je sais pas, je connais les meilleurs quoi. C'est un peu lasique. Ah bon, c'est de la merde. Comme ça, ça me permettra de. Bon, on va jouer au moins. Mais c'est bon, j'ai que 3 hits, c'est bon. Au moins, ils auront un pibi, c'est bon, ils sont contents, j'aurai un pibi, qui sait. Au moins, voir où est-ce que je peux aller quoi. Est-ce que tu t'attends? Je t'envoie le lien. Bon, je vais peut-être mourir en fait par les. Par le poison, là, je suis en train de remarquer. Bilan de ce stream sur Dark Souls 3. Peut-être que par chance ça arrive à 5 vite. En fait. Le stream. Si ça se dépêche, si le machin il se dépêche, là je peux. Vraiment, vous êtes top de top. La chaîne elle évolue de ouf. Je pourrais peut-être affronter les boss sans avoir le. C'est pas du bon coup. Comment va passer? Et là il faut se barrer, il faut se reposer pour qu'ils reviennent en place deuxième déjà. Depuis que je tente les runs, depuis que je tente. Parce que là ils vont se battre là-bas. Et si ça avance pas assez vite. 2 hits sur Volnir. voilà. Et bah je vais go direct alors le Abyss Witcher. De vendredi. Non tu crois? Tu m'en prends le poison là bâton, du coup. Donc c'est un marathon de tout. Non je pense qu'il va s'arrêter avant. Parce que bon voilà, je pense que j'en ai assez parlé. J'en suis sûr. Information avec la commande ce bâton que vient de mettre d'ailleurs spécial. Il y a un truc pour le poison, je me rappelle. Et je pense que la semaine prochaine, quand je vais reprendre le Noit, je serai plus en forme et surtout. Bah attends. Le fait que je vais pas tenter le Noit. De toute façon, le poison s'arrête. Le jour, ça va me faire du bien, ça va me reposer le cerveau. Ce bâton, arrête les mailles. Ça va me reposer le crâne. Et en plus, ça a arrêté le poison. Un petit peu. Et tiens, le micro, je prends, c'est ça. Ah. Ça va. Le fait que je fasse des streams. Le changement de rêve que je vais faire là, ça va vraiment me faire du bien. Ça va me sortir de la routine. L'après-midi, on fera des jeux peut-être plus détente, plus fun. Et le soir, on fera du Noit, etc. Et quand c'est qui ressortira, on verra. J'adapterai. Ouais, donc Alice, c'est ce micro-là que je vous prends parce que bah, c'est quasiment le micro qui est utilisé par. Franchement, quasiment tout utilisé par beaucoup d'Américains l'utilisent, quoi. Enfin, d'étrangers, quoi. Et j'aime beaucoup sa qualité en fait. Et sa qualité, son design, je trouve vraiment bien. Hein. Ce micro, et ben voilà. Ouais, ça marche, du coup. Ça marche. Merci, les gars. Et pour moi, j'ai mis par donation de 600 euros. C'est plus ou moins 600 euros parce que je compte acheter une bonne carte son, compresseur, tout tralala. Voilà, j'ai quand même besoin d'avoir du matos, un minimum. Un minimum de qualité. Ça se trouve, ça me coûtera moins cher. Hein. Mais dans tous les cas. Voilà, cette part de nom, elle va durer 4-5 mois, on verra si elle est sur le point. Je sais qu'il te faut un pré-rang, une carte son. Ouais, c'est ça, Alice, je sais. C'est pour ça que voilà, j'ai... Allez, défoncez-nous, là, dépêchez. Ah, nickel, parfait, ça c'était du beau travail, ça. Allez, tu peux faire mieux que ça. Vas-y, démonte. Ouais, voilà, mais parfait. Allez, tu tournes là. Oui, tu l'as pas stun. Allez, tiens, bim. Quand on tient ta face. Oh, mais... Ah, t'es pas avec les pistes. Oh, mais c'est pas grave, c'était du beau travail quand même. Au moins, tu l'as bien mis le live, au moins. Putain, il était là. Oh, la chance. Du coup, tu vas prendre cher quand même. Oui, Luke, il est là. Je l'ai pas vu. Oh, fais chier. C'est trop long pour rien, mec. Bah, les couilles, je pouvais le faire, hein, j'en suis sûr. Ouais, peut-être. Mais maintenant, regarde. T'as mis le clip. Nul. Non, il a monté trop. C'est nul. Ça fait pas Noit. Ouais, je sais. Mais tu veux que je fasse quoi, moi? Tu veux que tu reset et tu essaies de refaire ce que je t'ai fait? Oh, vas-y, fuck. C'est bon, ça me gonfle déjà, quoi. Sérieusement, regarde-moi ça. C'est nul. C'est sûr que c'est pas ouais, bon à voir. Je vais aller voir. Attends, on va le regarder ensemble. Mais bon, tu veux faire quoi? Putain, c'est pas possible. Oh mon dieu.
Il y a pas de soucis, t'es trop. Je viens de voir le clip show. Vas-y, moi aussi je vais voir le clip là. On regarde ça, on regarde ça. Vas-y, balance. Je vais juste virer mon bot. Mon bot. Putain, il y a du temps. Allez là, balance. Ça m'a un clic. J'ai oublié, c'est 3. Ouais, c'est ça. Ok. Les amis, voici le fail de Otzarva sur le dernier boss. Vas-y, balance, ça sent pas les couilles, vas-y. Imaginez sa souffrance. Et pourquoi il est pour hyper mal là? Je vous jure. Attention, c'est parti. Regarde l'épée qu'il a. Ah ouais, il a complètement changé son truc. Merde. Tu bugs! Attends, j'ai. Au secours! Casse-roue les viewers, le dus là, mes couilles, dégage. Moi, je vais mettre mon chat ici, je vais être... Tu m'as banné comme un con toi aussi. Ouais, il y a 41 boss en tout sur Dark Souls 2. Merci beaucoup, Ed. Oh putain, du coup, je sais pas qui c'est Ed. Oh, on s'en fout là, allez. Merci beaucoup pour le host. J'ai envie de. Arrête de parler, tu gonfles. On est en train de regarder le fail de Hotstarva, attention. Oui, bah balance. Oh non. Le pauvre mec. Pourquoi il a pris cette épée? Il a pas repris la rapière? Ah, il fait pas de dégâts! Ah, mais c'est pas exactement la même! Oh, il pleure! Sérieux? Ah ouais! Bah, à peine, il s'est pris le hit, il a pleuré, il a commencé à. Il était deg. Oh putain! Ah, mais il a fait un peu. Vas-y, j'ai même pas envie de le revoir! Au secours! C'était bizarre là! Oh mon ouais. Dieu! Mais il a. Oh merde, quel con! Qu'est-ce que j'ai fait? Pour... Ah putain, fais chier! Là, je viens de dégager Uxem. Quel con, pourquoi il a fait ça? Pourquoi t'as pris cette arme? Il a pas pris la rapière? C'est... Je sais à quel point c'est difficile maintenant que je suis. Pourquoi il était full live? Et Dark Souls 2, c'est encore plus dur. C'est tellement plus dur. Mais il faisait pas de dégâts, t'as vu comment il a frappé? C'est quoi ces dégâts? T'as eu la rapière, hein? Putain, tu mettais 4 coups, t'as 5 coups. Full magie, il avait déjà tout. Là c'est le troll qui parlait. Elle est nulle ce troll là. C'est nul. Putain, ça fait tellement chier. C'est son choix. Faut savoir que Otzarva, c'est quelqu'un. C'est vraiment un mec bien quoi. Mais comment s'appelle Vaigourou, il comprend un peu mieux l'anglais que moi. Et Vaigourou m'avait dit que Otzarva c'était vraiment un mec super cool. Même quand il a 900 personnes sur son stream, il s'intéresse aux gens. Il est vraiment super cool comme mec. Deux fois. Il mérite vraiment sa run parce que il se donne à fond, il est super sympa. Ouais, cette run n'a jamais été réussie, les amis. Jamais. Et elle sera encore pas réussie, quoi. Never. Et ça me fait chier, tu vois. Je veux qu'il a réussi, Ostra. Je veux qu'il a réussi, parce que c'est lui qui l'a commencé. Ouais. Cette run. Et si y a quelqu'un d'autre qui la termine, je sais pas, il y a comme un truc qui fait que. C'est bizarre, en fait. Je commence la run, et c'est pas moi qui la termine. C'est quelqu'un d'autre. Ouais. Donc ça fait bizarre. En plus, il y a deux fois, t'as vu, gars. Deux fois, il y était presque. Deux fois, il y a chaque fois. Il y a qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Mais quand il y a Ravai Groot, ils auraient tous passé nique, c'est normal. C'est la petite image pour ça me fait chier. Le ce bâton, paf. Je sais pas qui est goût là aussi. Voilà, pour celles et ceux qui sont pas au courant, qui viennent d'arriver sur le stream ou quoi. Donc demain, je stream pas. Je vais préparer cet événement sur ma chaîne. Le ce bâton. Le vendredi 8 mars à partir de 18h. Imagine pas. Il y aura donc 12 jeux à gagner. Il est arrivé devant. Sur les 12 premières heures de stream, chaque sub ajoutera 30 minutes de live. Je vais te dire voilà, et tous les 10 subs, si jamais j'obtiens 10 subs, les risques. Que c'est pas de dégâts, mec, j'ai pas compris moi. Je ferai gagner un jeu. Pourquoi t'étais pas en hyper mode? Pourquoi t'étais pas. Pourquoi t'avais pas ta rapière? Il faut forcément être membre du Discord, d'accord? Donc vraiment, ce serait dommage que. Parce que je vais quand même faire gagner des jeux qui sont sympas. J'en ai. Castiel et moi, on a choisi des jeux qui sont super cool, c'est pas des blues. Donc si vous voulez gagner un jeu et que vous n'êtes pas Discord, c'est un peu dommage, c'est un peu décevant du coup. Donc voilà. N'hésitez pas à le rejoindre. Qu'est-ce que je voulais dire sinon? Oui, donc la semaine prochaine, je ferai du 14h, 18h, 20h, 1h à peu près. Ça va me permettre de changer un peu plus de jeu, ça va être cool. Et il y a peut-être des gens qui aimeraient que je me voir l'après-midi peut-être, je sais pas. Donc voilà pour les news. Si vous avez des questions sur ce bâton, sur le Noit, j'en sais rien, n'hésitez pas à les poser. On peut-être aller des clips, tiens, que vous avez fait.
Peut-être qu'il avait pas sa rapière pour pouvoir avoir quelque chose d'autre à la place qui permet. C'est combien, j'avais pas mangé l'autre. Que ce soit après, j'ai pas envie de voir les clips où je rage. Ah ouais hein, franchement. Ouais, mais du coup, il fait pas de dégâts, t'as vu. Et puis même, c'est ce qu'à prendre. Alors, imaginons, tu imagines. Imagine que c'était full cac, comme tu dis. Ouais. Bah, à rapière, c'est full cac aussi. Donc au final, ça. Il y avait un buff de magie, il l'a pas vu. Ah oui, non, mais. Ah oui, c'est. Ah bon, il y avait un buff de magie là. Non, il y avait un buff. Ouais, il avait rien, hein, c'est nul. Hein. Bah, ça, oh, là, là, là. Il avait. Je sais pas, franchement, j'en sais rien. Je sais pas pourquoi là, il y avait cette arme là. Pourquoi il s'est pas mis en hyper mode, j'en sais rien. Peut-être qu'il n'avait pas trouvé la chose qui me permettait, peut-être qu'il n'avait pas le moyen, je sais pas. Celui-là, il est pas. Écoutez bien ce clip, c'est vraiment une perfection, écoutez bien. Oh. Ah là, handicapé quoi. Un gros trésor. Un gros trésor le gars. Je... J'ai sais pas, un gamin. Des gens, des fois qui étaient un peu bizarres sur Twitch, et je voulais imiter bah, le... Ouais. Oui, on a vachement les sous comme ça, ouais. Ouais. On dirait le diable de Tasmanie. Ils abusent, là. Chien de l'enfer, tiens. Alors, comment il fait? Eh ben, on se devait pas sans guerre. Ah oui. Alors là, je me suis fait hit par un chien, il m'a pas respecté, je crois. Ah mais regardez, regardez. Fuck. Oh putain, comment je gueule. Attends, je vais baisser le son. Pourquoi ça m'avait pas arrivé ça, moi? Ouais, ça fout. Le chien de ses morts. Fuck. Parce que là, tu l'as lancé avec avant que je te ferme ta gueule, là. Putain, il fait chier là. Je t'ai dit de le lancer avant en fait le truc. Ouais, ouais. Je t'ai pas dit de rentrer dedans et d'aller. Après, c'est toi. T'as commencé à tuer les chiens. J'ai pas pris. Et oui, c'est vrai comme clip. Vivante. J'ai dit, ah, voilà. Faut pas tuer les chiens, j'avais. Ah, mais celui-là il est marrant. Celui-là il est marrant. Si j'ai pas les chiens, ils vont monter en haut. Non. Non, j'en ai vu. J'en ai vu. Oh, les shit. J'ai tué le chien, mon gars. Mais non, mais vas-y. Oh, les fucking shit. Clippé, j'ai niqué sa mère au chien. Quoi? C'est ça? Mon micro, j'en ai niqué deux, moi aussi, des chiens. Bah. Mon micro est dégueulasse, ouais. C'est sa ouais. Ceinture, je suis désolé. Hein? Bah, c'est un chien. Qu'est-ce qu'on a comme clip? Allez, on se regarde un dernier. Un dernier. Non, celui-là non. Rip inséré, non. Ouais, bon, j'ai plus de clips marrants aujourd'hui. C'est que des fails et c'est pas vraiment très gay. Ouais. C'est pas très cool, quoi. Bon, en tout cas, merci aux personnes qui ont clippé. Bon, principalement Castiel qui a clippé, mais aussi d'autres gens hein, qui ont clippé aujourd'hui. Donc, merci à vous. Merci à vous, bah écoute, on va s'arrêter là, je pense. Bon, désolé. Du coup, il faudra que je fasse ça là. Il faudra que je fasse du Nuit. Ouais. Chier quoi. J'espère qu'en tout cas, vous avez passé un bon moment sur le live. Moi, je vous dis du coup avant ça de. Ça va être dur hein, d'apprendre ça. Ok. Est-ce qu'il n'y a pas des gens sympas à host? Si, il y a moi. Alors lui il est méchant. De toute façon, je vais arrêter. Tu crois qu'il va me voir sur la soie? Von Noit. T'as raison. Attends. Ouais, allez, on va rester à Aichou, je pense. Aichou? C'est qui ce gars? Non, mais non, putain. J'avais pas vu juste en dessous. Il y a Majora sur Dark Souls 3, nice. Allez. Attends, voir, moi, si je suis là. Plaisir, en plus, il m'a reçu. Ah, je suis inscrit. Ah ouais, il aurait dû me voir, il a dû me voir. Attendez, je vais juste couper ça. Allez, des bisous les amis. Putain, les enfoirés, quoi. Attends, il m'a vu. Des gros bisous. Faire un run Noit là. Plutôt fun. Regarde, run Noit, je suis là. Merde, je suis ici là. Hop.
Je vous retrouve vendredi, pense au bâton, ça va être trop stylé, je vais vous préparer un programme. Ah, c'est cool que j'ai attendu à la fin. C'est sympa, c'est génial. Bon, du coup, la host. Ouais. Bon, bah, je crois que je vais faire pareil, je vais quitter. Je vous dis à plus tard, les gars. Enfin, ceux qui sont en stream, je sais pas s'il y a des personnes qui sont. Bon, je pense que je vois. Je pense que ça va être des bots. Enfin, je sais pas en fait. Mais ouais, du coup, je vais hoster au moment de Majora, on sait jamais. Comme là, Majora. C'est ça, Majora, il va voir que je suis pas un troll. Oui, c'est aussi, ça. Oui, aussi. Host. Attends, comment ça s'écrit Majora déjà? Attends. Parce que je suis vraiment une buse. Ah, mais non. Voilà. Qui sait, ça va peut-être m'aider. Faut que je fasse un espace, je crois aussi. Voilà. Ah, nice. Hein? Non, attends que je vais. What? C'est quoi ce bordel? Ça la host? Non? What? Pourquoi ça la pas host? La musique que plus ça va être, c'est juste de l'air, Majora. C'est quoi ça? Je suis pas ban chez Majora. Ça va super être horrible. Ah non, je suis pas ban chez Majora. Hein? Je peux pas host Majora? Ben, pourquoi? Peut-être qu'il faut que. Ça devrait marcher, ça. Attends, ça veut dire quoi, ça? Oh là là, ils font chier. Oh, j'ai vraiment des problèmes vraiment ouf. Quoi, je pourrais plus host? On m'a retiré les hosts parce que je suis un gros troll, c'est ça? Allez. Non, ce serait dégueulasse. Cette chaîne abergée déjà Majora. Hein? Ah. Et mais je l'ai déjà abergé. Ah bon? Ça reste pas en stream. What? What? Mais c'est passé quoi? J'ai pas vu moi l'hébergement. Oh, trop mal fait avec moi, c'est ouf.